des 17 aubades en forme de berceuse, aux ramiers, aux oisifs, aux clampins, aux cossards, aux rêveurs, aux passifs, aux lambins, aux ronfleuses, aux testeurs de hamac, aux cancres, aux flemmards, aux poilus de la main, fatigués de naissance, aux planeurs, à la sieste, au repos du guerrier, aux lève-tard, aux couche-tôt, au monde du silence, aux membres inactifs, à la mouche tsetse. Adepte du berceau, dès ma plus tendre enfance, j'aimais passionnément la belle au bois dormant. Et encore aujourd'hui, j'ai le cœur qui balance entre Marie Tudor et les rois fainéants. Mais qui donc le premier a inventé la bulle? Mais qui donc l'a coincé? Le diable ou le bon Dieu qui prétend de concile en conciliabule que l'éternel repos est l'avenir du pieux? Oh, 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 oh. Député ou ministre, il paraît qu'à la chambre on baille à qui mieux mieux. Les débats sont rasants, les discours sont sinistres, et c'est dans ces métiers que l'on vit le plus vieux. À moins que mes refrains ne mènent à la gloire, ce serait le summum, et je serais ravi d'être le roi sommeil. Mais je n'ose pas croire que je pourrais un jour détrôner Moustaki. Eh ben. Lorsque j'ai composé cet air soporifique, j'ai pris le plus grand soin et le plus grand plaisir à coucher doucement sur le papier musique d'une pause parfois et souvent des soupirs. Pour finir ma chanson, voilà que j'ai la flemme. Par malheur, mes amis, si vous ne dormez pas, si le cœur vous en dit, achevez-la vous-même, sans faire trop de bruit, en fredonnant tout bas. Moins fort. Encore moins fort.